radio d'urgence et du système de radiodiffusion d'urgence du Canada. Je le répète. Bonjour, je m'appelle Kelly Bauman et nous sommes ici dans le tunnel anti-souffle au musée Diefenbunker. Le Diefenbunker a été construit entre 1959 et 1961 pour protéger le gouvernement en cas d'une attaque nucléaire. Le premier ministre, le gouverneur général, ainsi que les ministres du gouvernement auraient été ici avec les membres du militaire et quelques citoyens pour assurer la continuité du gouvernement canadien. Nous avons les espaces uniques comme une cafétéria qui était pour toutes les personnes et aussi un petit boutique avec quelques souvenirs du temps du guerre froide. Visitez le Diefenbunker, nous sommes environ 35 minutes du centre-ville et nous sommes ouverts chaque journée de 11h à 16h. Je vous remercie.